Ça se passe bien pour nous.
Sur la piste, j'y ai pas du tout cru. Premier virage, j'ai failli tomber. Deuxième virage, pareil. Le Pierrier, pareil. En fait, j'étais mort de partout. Mais en fait, ça allait vite quand même. Et je suis vraiment content. Les shapers, ils ont re-shapé. Donc il y a des trucs, c'est vraiment refait. Et je m'attendais pas du tout à que ce soit autant beau. Donc je freinais trop, mais j'étais quand même trop content. Je suis trop content. Je sais pas trop quoi dire, mais je suis trop content. Je remercie toute la station, les ors, tous les shapers. Et mon team et mes parents qui sont venus avec mon petit frère, et je suis trop content. Voilà, puis on l'entend ici sur la ligne, la raquette d'arrivée. Et t'avais des supporters quand même sur le parcours. Comment on vit ça quand il y a du bruit autour de nous sur une piste? Est-ce qu'on réussit à rester dans sa bulle concentrée? Parce que c'est une piste qui demande beaucoup de concentration. Au champion du monde, j'ai pas trop réussi au milieu de faire ça, en fait, de pas entendre les gens. Et là, j'ai vraiment pas du tout entendu les gens. Mais pas du tout, à part, je crois, mes potes dans le Pierrier, à l'entrée du Pierrier. Mais sinon, pas plus, quoi. Antoine, tu réalises que pour être champion de France, t'as battu le vainqueur de la Coupe du Monde et le champion du monde de la saison 2022. Bah, franchement, ça me fait plaisir, même si je les aime bien, hein, ça me fait plaisir quand même. Alors, on va... Allez. Et le vainqueur de la Coupe du Monde, il porte les couleurs du Team Comensal, les